Salut Pascal, comment ça va? Salut John! Bon, alors je me suis lâché un petit peu avec un truc au doigt, en slide, etc., etc. Mais c'est pas tellement pour le slide. Ça, c'est un verre hein, d'ailleurs. J'aime bien le verre parce que c'est plus cool. Ouais, c'est sympa. Au niveau du son, un peu plus chaud. Bon, hein, voilà. Il y a un peu de tout. Bon, il y a un peu de tout, du laiton, du fer à la ferraille, ce que vous voulez. Le slide, ça reste le slide. Ok, alors là-dessus, eh ben, écoute, aujourd'hui, tu m'as choisi quoi dans mes mains puisque j'ai voulu la jouer en slide, mais. Puisque je la trouvais très rock'n'roll. Bon allez, on va faire un petit tour dessus. Regarde cette magnifique... Bon, c'est une Telecaster, hein, ouais, déjà, bah, regarde ouais. Ça. Bon. Comme on les aime, une alors... Telecaster custom. Ouais. Mais alors, c'est deux fois une custom, du coup. Parce que c'est une Fender Custom Shop. Ouais. Oui, bah, 1960, oui. Telecaster custom. Ah, tu vois double custom. Bah ouais, double custom, custom, custom. Tu vois bon, t'as vu, bon, double binding. Regarde ce binding magnifique. Ah, c'est magnifique. Bon, après, qu'est-ce qu'il y a de... Elle est relique, elle est relique. On est sur du heavy relique. Hein. C'est mais une alors... black over chocolate, ouais. Trois couleurs sunburst. Mais, hé, oui. La balle. Ah bah oui, regarde comment elle est. Regarde comment c'est beau ça. Magnifique. Ouais, ouais, ouais chez, voilà. Bon, le mec a repeint ça et gratte en noir à un moment, le Sunburst, mais bon, ça y plaisait pas, hein, bon, le gars. La taille de ce truc là, quoi. C'est... Et puis attends, je tourne. C'est bien fait, c'est plutôt bien fait là. J'ai mon ceinturon qui a tout, ni... hein, tout machiné ouais, pendant des années, fait, des années. Hein. Voilà, non, mais franchement, c'est bien joli. Le manche, t'as vu un peu. Alors, encore une fois, hein, très facile à jouer, ça glisse. Pff, c'est qu'un bonheur, c'est qu'un bonheur. Vous savez l'amour que je porte moi au Telecaster, hein, de toute façon, hein, c'est un amour inconditionnel. Bon, et là, t'es comblé avec ça, quoi. Ouais, j'adore, hein. J'adore. Là, on est vraiment sur une guitare. Alors là, on l'a chargé un petit peu, parce qu'on va parler de nos copains aussi d'ALH. Oui. Ah, et là, je peux là, j'étais branché, moi, dans une Sorrow. Une Sorrow, c'est le dinosaure T-Rex. La T-Rex. Exorcisme. Hein, donc, en plus, c'est quand on l'allume, regarde comment c'est beau. Et t'as vu le petit... Alors, je la branche et tu vois, je joue deux notes, hein, regarde. Bon, ouf. Alors, c'est bien une distorsion. Qui lorgne un petit peu sur la fuzz. Un petit peu. Hein, on est d'accord. Ça salit, ça dégueulasse bien notre son. Ça, on aime ça. Hein. Alors, ALH, Nantais, des gars qui bossent à la main, voilà. Hein, dans le garage. Et franchement, ça le fait. Ils ont une belle lignée de pédales que vous pouvez retrouver. On a reçu sur le magasin. Hein. Ouais, bon, ouais. Hein, hey, voilà, on a parlé d'ALH un petit peu. On va parler de label. Alors, allez, dis donc, en micro peut-être, tu veux. Alors, savoir. les micros. On est sur du Twisted télé et bobiné à la main. Tu vois, on les connaît les Twisted, mais bon, ceux-ci, mais ils sont... Mais spécialiste, bon. Tout bobine à la main. Voilà, tu vois. Tout. Non, mais ça. Alors... Oui. T'as un manche, un micro-manche, Twisted. Oui, alors ça, j'aime bien. C'est pour ça que je... Vas-y, fais-nous écouter ça. Voilà. Tac, tac. Non, c'est non. Pas ça. Ok, ouais, c'est... regarde, tu vois, c'est le son un petit peu... Tu vois J'ai vraiment ce que j'aime dans les télés, hein, le petit lipstick comme on dit là, et on a un truc vraiment qui est onctueux.
Encore une fois, là, pour ceux qui connaissent pas bien la télé, on dit toujours la télé, ouais, la télé, la télé, bah, et ça pardonne pas, quoi. Agressive, hein, ça te coupe en deux par les aigus et tout, mais non. Non, puisque la télé, on peut tout faire avec, hein, absolument tout faire, et ça, je le répète tout le temps. Et quand j'écoute une guitare qui va faire un... Et aucune agressivité là-dedans. Ah non. Hein. Par contre, c'est un fait que si je passe mon magnifique micro chevalet custom, là, j'ai de l'attaque. Ah, là, ça va tout péter. Je twang. Et là, je suis d'accord. Ouais. Là, on revient sur la Telecaster. Et après, j'ai la position centrale, que j'aime beaucoup aussi. Ouais, hein, sympa. Ah, tu vois, c'est ce petit truc-là. Je sais pas si vous entendez bien, là. Le truc qui me pique un peu, là. Voilà, ça, j'adore ça, quoi. Voilà, on a vraiment ce petit truc dans l'oreille. Ça, c'est ma position centrale. Genre, je vais me faire mes trois, d'un coup. Vas-y. Très rapidement, avec la même chose, tu vas voir. Pas beaucoup de notes, hein. Ok, je passe au centre. Et mon attaque. Voilà, ça, c'est la télé. Ah ouais, là ils l'ont franchement. On peut faire ce qu'on veut, hein. Voilà, on est en plein dedans. Là, on n'est pas trop chargé, mais je vais me remettre un petit peu de truc et on va voir que même quand on va l'attaquer un peu plus fort, hein, là j'ai enlevé ma petite aile, là, je suis passé sur ma TS9. Hein. Ça marche. Voilà, un petit clin d'œil à Monsieur Bowie, c'était l'anniversaire de son décès la semaine. Il n'y a pas beaucoup de jours. Très longtemps, ouais. Voilà, un grand monsieur, donc deux petits riffs. Alors, un petit coup de Rebel, et puis un coup de What's That Man sur l'album Aladdin Sane. Donc voilà, donc encore une fois, la Telecaster Custom Shop. Ouais. J'ai pas grand chose à dire dessus, sauf que c'est de la balle, il faut venir l'essayer, vraiment la jouer, puisque on voit cette guitare. C'est beau en tout cas. Voilà. Hein, tout ce que je peux dire, c'est que bon, on en a essayé du custom shop, hein, et on a à chaque fois des guitares qui nous ont renversé. Le custom de chez Fender, bah, les gars ils savent bosser. Est-ce que le custom shop a un prix? Oui, monsieur, c'est un prix. Mais alors, je me gratte la barbe. Je me gratte les cheveux, le dessus de la tête. Bon, oui, le Custom Shop, ça a un prix, mais ça a un prix de l'excellence. Alors, je vous donne le prix. Mmh. Bon. Voilà, je vous donne le prix. Voilà. Est-ce que ça vous va? Ouais, je pense. Vous pouvez nous appeler, nous envoyer. Ils pourront voir sur le site. Hein, ouais. Bon, allez, ça vaut 4600 balles, ça. Ouais. Non, mais... 4600 balles. 4600 balles de pur bonheur. Bon, 4600 balles de pur bonheur. Une gratte de vie, comme je dis toujours, le truc qu'on va garder. Hein, et voilà. Hein, on en a tous à la maison. Enfin non, pas tous, hein, mais c'est un truc que j'aime. Alors, j'aime bien. Enfin, un truc avec les télés. Regarde bien. On parle jamais du tone. Oui, tu vas faire de la wah wah. Alors toi. J'ai mon micro de. Chevalier.
Une arme de destruction massive. Voilà, mis entre toutes les mains, c'est un engin. Mais par le plaisir, du coup. Et une guitare de plaisir, hein, franchement. Mmh. C'est beau. Franchement, c'est une jolie guitare. Bon, du custom, on a derrière aussi nous. Mais c'est pas tellement ça, c'est que des télécasters, on en a fait pas mal, mais pas beaucoup de custom. Non, c'est la première, monsieur, hein, qu'on a reçue. Ouais. D'ailleurs, montre-moi un peu si c'est pas une petite édition limitée, celle-ci. Ah. Non. 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 Tourne pour voir. Il n'y a pas une petite plaque édition. Non. Non, il n'y a pas. Non. C'est, voilà, mais c'est une guitare qui est assez dure à trouver quand même. Oui, oui. On l'a attendu longtemps. Il n'y en a pas qu'un seul exemplaire Over the World. Non, hein, bien sûr que non. Mais bon, celle-là est la meilleure. Ah. De loin. Bah, ça bon, sonne. Elles sont hein. toutes différentes, de toute façon. Mmh. Voilà. Bon, franchement, ça sonne. Ça coûte des ronds, ouais. Est-ce que c'est la guitare qu'on garde? Ouais. Est-ce que c'est une foutue Telecaster qui ouais. tape ta basse? Ben ouais. Franchement, ça marche et j'adore. Bon, vous allez dire, ouais, mais toi, tes prochains, toutes les Telecaster. Non! Pas toutes. Pas toutes. Hmm. Pas toutes. Celle-là, oui. Alors, on a fait cette vidéo aujourd'hui avec une guitare chère, parce que. Oui, mais oui. Bon, les prochaines, on va descendre. Ouh. Bah oui. Hein, on va descendre vraiment, les gars, plus bas. Hein, okay. Donc, en guitare électrique et guitare acoustique. Pour vous présenter un petit peu des choses surprenantes, à vraiment à des prix surprenants également. Hein. Ouais. Donc, vous allez voir que c'est pas mal non plus. Bon, là, on a fait une petite exception. On s'est fait plaisir parce qu'elle vient d'arriver. Puis moi, je peux pas. Je l'ai prise dans mes mains, là, voilà. Alors, j'ai pas joué cette guitare. Je rappelle, on me pose des questions quand on me voit dans les magasins, etc. À Bordeaux, à Nantes, où on m'envoie des mails. As-tu joué ces guitares avant? Réponse, non. Je me refuse à jouer les guitares. Pascal choisit le matériel, Pascal ou Thomas à Bordeaux. Moi, de temps en temps, on se dit, tiens, ça vient d'arriver, je voudrais bien. Je me refuse à sortir la guitare, à les poser ou quelque part, hein, et je ne la joue pas. Je ne la joue que 5 minutes avant de tourner. Il n'y a que moi qui les joue, hein, qui fait le tour de tout. Ou Thomas, juste avant. Donc, bah, je ne les joue pas, je les découvre. Des fois, le réglage est c'est chaud, mais bon, je me débrouille. Hein. Et puis, du coup, je vais découvrir la guitare avec vous. Est un fait que, alors, j'ai encore des réponses et des questions là-dessus. Est-ce que tu t'arrêtes de tourner des fois quand la guitare ne te plaît pas? Ma réponse est oui. Mmh. Il y a des vidéos que vous ne verrez pas puisque la guitare ne m'a pas emmené ou l'ampli ou la pédale où je voulais aller, où je pensais vous faire découvrir quelque chose qui me plaisait, mais surtout qu'allait vous plaire. Hein. Et à mon Pascal aussi, c'est exactement la même chose, hein, il a des choix aussi. Donc voilà les petites apartés que je voulais faire sur ces vidéos, c'est pas du préparé à l'avance, vous le savez déjà je pense, mais on fait ça direct. Bon bah voilà, je l'aime à mourir. Bon. Bizarre ce chant. Ouais, non, je crois pas. Quelque chose. Bon, allez, je vous fais un gros bisou. À la prochaine fois, mon Pascal, on se retrouve avec un autre matos. Bah ouais. On vous fait des gros. Attends, faut dire aux gens. Faut pas oublier un truc. Faut surtout qu'ils s'abonnent pour pouvoir suivre toutes nos vidéos. Hein. Et ouais. puis qu'on continue d'en faire plein. Hein. Alors maintenant, il y a un nouveau. Un nouveau réseau. Du coup, on est dispo sur Facebook, sur Instagram. Sur YouTube avec la chaîne Hurricane Music TV et on a TikTok, le petit nouveau qui arrive et là on vous promet, il va avoir pas mal de petites trucs qui vaut le détour. Alors TikTok voilà. On l'a lancé, ça fait deux semaines qu'on en a. Ouais. Je me rappelle plus, ça dépend. On découvre hein. Alors donc c'est pas, on découvre, on s'améliore, mais on est vraiment pour déconner sur TikTok. Hein. Donc voilà, c'est très rapide, 15 à 35, 40 secondes maximum. C'est voilà. Pas du tout comme la longue vidéo qu'on appelle du vendredi que vous retrouvez sur le Facebook et sur YouTube. En tout cas, je vous fais des gros bisous. Inscrivez-vous, téléphonez-nous, envoyez des mails. On vous aime. Ciao. Ciao.